renforcer les connaissances des médias afin de solidifier la narration sur la thématique du genre et la démarche de cette session de formation qui ambitionne de donner plus d'outils à la presse pour un langage inclusif. Nous avons porté le choix sur les journalistes parce que nous savons que les journalistes sont des porte-voix, les journalistes ont un pouvoir non négligeable. Et grâce à eux, des concepts comme le genre, comme le langage inclusif, pourront être améliorés dans nos sociétés. Les rédactions sont donc appelées à plus de méthodologie. Elles doivent déchiffrer, expliquer les concepts relatifs au genre afin de les rendre plus digestes. Il est important de pouvoir clarifier aux yeux des Sénégalais, en passant par les médias, tout ce qui tourne autour du genre, que ce soit le concept, que ce soit l'approche, que ce soit la méthodologie qui, sont, qui, qui, qui est utilisée pour une meilleure appropriation des populations. Et euh, cette formation va pouvoir permettre aux apprenants de pouvoir en maîtriser les contours, de pouvoir stabiliser leurs connaissances sur le sujet, et aussi de pouvoir s'ouvrir à d'autres perspectives. En attendant d'approfondir leurs connaissances, les journalistes saluent la démarche et il semble que le message est reçu 5 sur 5. Très souvent quand on parle de genre, on canalise un tout petit peu la situation, je dirais même c'est un tout petit peu de la stigmatisation très souvent qu'on sent dans le traitement. Parce que quand on parle très souvent de femmes ici au Sénégal, on fait allusion aux faits divers, on fait allusion aux, à l'aspect un tout petit peu négatif. Aujourd'hui il est très important que nous, qui sommes dans la communication et dans l'information, donner particulièrement l'autre face de la femme, notamment celle de Zigenchor. Zigenchor est d'une région assez particulière où les femmes sont à la fois au four et au moulin. Et donc, c'est très normal de montrer tout ce que tourne autour de l'enjeu. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, outiller... Euh, sur, cette, euh, sur cette problématique, donc euh, c'est assez important et je pense que l'initiative est venue à son heure. Financée par l'agence catalane de coopération et de développement, ce projet de 18 mois offrira une parole plus précise et inclusive sur le genre dans l'espace médiatique.